quelque part. N'est-ce pas la ville que nous cherchions? Tais-toi, Lucie Diot. Dans ce pays, le nom des villes et des villages est inscrit sur des girouettes, au lieu d'être inscrit sur des bornes. Enfin, nous en tenons une de ville. Ramponnons-nous et incrustons-nous. Et n'oublie pas, à propos de ce nouveau tour que je fais, qui doit avoir autant de succès que le dernier. C'est gravé dans ma mémoire, Chantal. Tais-toi. Si tu avais, comme tu dis, la mémoire, resterais-tu avec moi, puisque je te roue de cou chaque fois que le désir m'apprend, et c'est-à-dire souvent. Je t'ai rencontré un vendredi 13. Tu vois, j'ai la mémoire des dates. Au fond, tu restes avec moi parce que tu aimes les artistes. Alors, comment je vais devenir folle? Si ça continue, voilà, si ça s'arrête, et folle si ça recommence. Chantal, les bohémiens, les comédiens, les monteurs d'ours, les saltimbanques ont toujours volé des enfants. C'est la coutume. Il faut toujours suivre la coutume. Pourquoi? Parce que c'est la coutume. La coutume. Sage de Jeanne, un asile triste. Cet enfant jouera de la musique pendant que nous présentons aux notables du pays notre admirable tableau des merveilles. Ah, c'est assez. Cette musique est atroce. Elle racle, elle grince comme la craie sur l'ardoise. On fait la musique qu'on peut. Avant d'être avec lui, j'étais enfant martyr. On me battait sur les oreilles. J'ai collé aux trois quarts. Je suis couvert de cicatrices. Ma gorge est déchirée. Ma musique aussi est déchirée. Décollée, elle a les nerfs à vif. Mais c'est tout de même une musique. Un bruit à entendre. Vous avez volé l'enfant. Vous avez volé la musique avec. Écoutez-la. Pour le prix que vous me payez, je ne peux tout de même pas vous jouer les grandes orgues du bonheur céleste avec les anges qui boivent de joie et le grand-père qui fait la. Oh bon. Tais-toi! Avorton et fous le camp! Et tiens-toi prêt pour le tableau! Ou, plutôt non, reste. Car voici les gens qui arrivent en prenant, les gens du pays qui arrivent en prenant la chambre. Souriez tous les deux avec le sourire de la politesse. Inclinez-vous avec les gestes de la déférence. Je baise les mains de vos seigneuries. Je m'incline. Nous nous inclinons tous les trois. Et je dis en vous désignant de la main, voilà des hommes et non des moines. À leur façon de marcher et de s'arrêter, je devine qu'ils sont les chefs. Nous le sommes en effet. Je suis le préfet, voici le sous-préfet et le capitaine Kant qui s'occupe de la gendarmerie. Que voulez-vous, un honorable? Notre ville est petite, mais elle est peuplée de gens heureux. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, nous mangeons régulièrement. Et je vais bientôt marier ma fille avec le sous-préfet. Bon, un grand banquet, un bal, des lumières, de la musique, beaucoup de musique. Encore la musique? Bois de gens, comme on dit. Faites-moi la charité. Donnez-moi 20 sous pour hier, 20 sous pour aujourd'hui et 20 sous pour demain. Alors, ne perdons pas notre temps. On ne dit pas 20 sous, cela fait 3 francs. Pourri, mandigo, crasseux, rabataire, sors de mes yeux, disparaît, viens de bord, pas morceau. Oh, frappez une mendiante, une femme, en dehors des autres, qui ne demande rien à personne, sauf l'homme, naturellement, et vous la frappez sur la tête. C'est absolument dégoûtant. Frappez si vous voulez, mais donnez-moi mes 3 francs, mes 3 francs, mes 3 francs. Je vous en prie, capitaine, cela fait mauvais effet. Vous voyez ce qu'elle demande. Merci de votre bon cœur, mes braves amis. Mais il n'y a que 3,50 francs. Hein? Je ne lui ai donné que 50 centimes, je suis sous-préfet. Il n'y a pas l'esprit de l'économie, il n'y a que les autres gens. C'est pour moi, vous dites ça? Voyons, je n'allais pas vous disputer devant des étrangers. Oh, nous savons, les choses sont partout les mêmes choses. Et la misère est partout la même misère. La misère, qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, je croyais. Un mendiant ne fait pas la misère, une hirondelle ne fait pas le printemps. Évidemment. Évidemment. Revenons en plutôt à nos moutons et dites-nous quel bon vent vous amène dans nos régions. Monsieur Montiel, celui qui colporte le vrai, le seul, l'unique, le merveilleux tableau des merveilles. Ah oui, le tableau des merveilles. Oui, le tableau des merveilles.
très intéressant. Toute personne cultivée a entendu parler de mon merveilleux tableau des merveilles. Et j'aurais été douloureusement surpris. Oh, rassurez-vous, nous en parlions justement, oui, au cours d'une conversation. Et justement, Il ne suffit pas d'en parler pour le voir. Il faut aussi le voir pour le croire. Mais attention, attention, attention. Il faut aussi le croire. On le voit. Ah. Mais c'est l'évidence même. Nul ne peut nier l'évidence. L'évidence, je ne vous le fais pas dire. C'est ainsi que les merveilles du merveilleux tableau des merveilles ne sont pas visibles par tous. Je m'explique. Seul le spectateur qui a la conscience tranquille peut voir le tableau. Merci.